Bah, je sais pas, vingtaine de mètres. Ah ouais, mais c'est bon. En moyen, c'est bon. J'ai jeté une passe 5 à la sortie du virage. Tourne-toi, France à eux, je vais tirer. Ça marche pas trop, et ça je vais, je crois. France à eux, je vais tirer. Là, je vois rien du tout. Bon, attends qu'il passe. Après, mec, t'es prêt. Vas-y. En vrai, on va tirer, les gars. On peut tirer. Bah, c'est quoi? C'est quoi au saut? Je vais faire du rasbot, les gars, vous êtes prêts? Vous êtes chaud, les gars? Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Mais regarde, l'hélico va pas nous attendre au sol. Nice. Oh, c'est bien ça. Oh, j'ai bien kiffé là. Ah, ils sont plantés. Oh, ça, c'est Cassio qui tirait, Cassio. Négatif. C'est de l'hélico, ça. Ça va tirer sur le coup, c'est de qui m'a pris. Du premier coup, non? Non, pas encore. Bon, ouais, ça prend tellement que... Ah, je sais, mais j'ai le mieux. Tout en plus, c'est fier sur son major. Là, attends, on va prendre de l'avance, là, les gars. Regardez, on va prendre de l'avance. Rechargez bien, les gars. Allez-y, là. Non, attends, pas. Ah, c'est bon. Wouh, voilà. Il me tire dessus, l'hélico là-haut. Oui, c'est Eh, les gars, vous me dites, si je fais trop de rasmote, hein, parce que je vois pas en fait. C'est... Oh, on se fait tirer dessus, les gars. Ah. Ils ont freiné vers. Quartier Nord. Ils sont sortis. Ok, on va se faire un smash, les quartiers Nord, ils sont arrêtés. Je vois pas. Attendez, je me cache. Il va repartir là, c'est obligé. Ah, c'est une frappe! On va se faire smacker! Oh, j'atterris où? Sur à droite! Attends, c'est gauche, pardon! Oh là là! Il va repartir, je sens! Ouais, c'est ça! Bien sûr, ils sont stoppés, c'est énorme! Ah, affirmatif! Y'a un hélicoptère, ils ont ouvert le feu et aussi. Tire sur un dodge et sur le l'écho. Ah, ça tire sur silencieux là-bas. Est-ce que la voiture elle est encore là? Oh, y'a l'hélico, je vois, y'a un mec qui te tire dessus là. Y'a un mec là! Sur le toit! Je me mets à poil. Y'a
Y'a un mec sur... sur le toit, sur le toit. Point 1. En fait, j'ai changé de fréquence en fait exprès, mais regardez le point que j'ai mis, y'a un mec dessus, sur le bâtiment. À l'étage ou pas? Sur le toit. Ok, bien joué. Ah non, c'est pas du tout ce point là. Attendez. Je sais pas où il est mon point. J'ai vu une ombre sur un toit. Oui, regardez le... Y'a un mec devant moi sur le toit. Je l'ai touché, une balle. Peut peut-être essayer de tasser, non? Impossible de loucher. Il s'est couché, c'est-à-dire qu'il est dans le mal, il est dans le bâtiment juste devant là. J'ouvre le feu sur l'hélico. Un petit peu plus précis, mais il est sur le toit, le gars. Essayez de monter, vous me couvrez, Conan. Je peux pas. Ah, si je suis sur le toit, ouais. Bien fait, je suis en train de monter en fait. Vous me couvrez, non? Ah, vous voulez ce toit là? Ok, ça va être compliqué de vous couvrir. Hein. Au pire, je. Est-ce que... Quand vous montez, essayez de voir s'il est là. Oh, oui, je l'ai vu, je crois. J'ai vu son sac. J'ai vu son sac qui a bougé. Je fais des tirs de somme. Enfin, de tout. Allez, go, ici. Moi, je veux personne sur aucun bâtiment. Votre point est très précis. Non, il est pas du tout précis. Mais il est dans le bâtiment juste devant nous là. Ah, non, c'est que je vois deux bâtiments, il y en a un à gauche et un à droite. Enfin, un tout petit devant vous et un à gauche. C'est compliqué de mettre un point parce que c'est pas sur la carte les bâtiments. Parce que votre point est sur le bâtiment qui est plus sur la gauche. Voilà, j'ai mis un petit peu plus précisément le point. Attendez, je mets encore un petit peu plus. Ouais, c'est le bâtiment qui est à gauche, hein, ok. Ouais, voilà, là c'est encore mieux là. Bah, sur le toit, le gars. Ah, je l'ai peut-être eu, regardez, Raphaël Lachecure. Ouais, il est mort, c'est bien lui. Oh là là, ça c'est Argo, les gars. Non, on est pas sûr que ça soit avec ça. Non, il y a encore envie, vous foutez vraiment ta gueule. Ouais, je me fous. Je le vois, attendez. Vite, je monte sur le toit en face. Ouais, sur la Tifa, il s'est baissé. Putain, avec une pauvre arme civile, ouais. Eh mais il tirait sur ce putain d'hélicoptère, hein. Sur la gauche, Colonel O'Neill. Y'en a un à terre, j'en ai mis un à terre, sur le toit je vois pas l'autre. Là, c'est le café en bas, je t'ai raté. J'en ai down 1 les gars, ils étaient 2 sur le toit. C'était un civil donc, que j'ai vu petit pistolet genre que 5-7. Y'en avait 2 sur le toit. Y'en a un qui est allongé là sur le dos. Moi je suis en train de tirer sur l'hélico. Moi aussi. L'hélico il revient sur nous, faites gaffe. Je sais, je suis en train de le canarder. Putain, la smoke là elle sert à rien mon gars, on voit rien du tout. J'investis le bâtiment. J'ai bien ce matériel là. J'investis les bâtiments les gars, couvrez-moi. Donc il essaie de trop leur véhicule là. Il y en a un qui est allongé sur le toit. Que j'ai tué. C'est un civil avec un sac marron ou pas? Je sais pas du tout, j'ai pas vu, j'ai juste vu qu'il a allongé, il y en avait un. Ok, moi je me déplace. Ouais, je vois les chaussures du gars qui est allongé là, qui est mort. Et je sais pas s'il y en a encore l'autre. J'arrive au dernier étage. Ok, je cours. Normalement. Parce que là, pour l'endroit où vous avez monté, qu'on est en ruine autour, c'est quel bâtiment où il risque d'avoir encore quelqu'un? Là où il y a un point, qu'on a le 14. Ah.
trouver quelqu'un. Hein. C'est qui a ouvert une porte? Le truc c'est que si je monte l'escalier, il va me débuter. S'il doit débuter, il doit forcément se lever ou se mettre accroupi, donc nous on est là façon. Adieu. Ah. Attendez, le drone les gars, le drone. Bah ouais. En plus il est là. Non, le drone. La page bang, pourquoi? Ah non, il est pas là. Allez, Léo, c'est vous qui... Oh là. Ah, il est beaucoup trop... Beaucoup trop loin le drone, rip, allô. Mais non, mais les deux ils sont à terre, les gars, je les vois. J'ai ah, d'accord, les deux. Je sens. Ah, c'est maintenant que vous le dites. Ouais, mais je viens de le voir là, faut les stab. Ah bah, j'ai rien pour stab, hein. Ouais, mais faudrait faire vite. Ah ouais, je le vois. bah, venez, j'ai rien pour stab, moi. Ouais, mais attendez, faut que je descende tout le bâtiment et j'ai pas de parachute, moi. C'est vraiment, j'essaie d'arriver vite. Je voulais descendre le truc hein, déjà. Ah, moi non plus, j'ai plus rien pour stab. Ah, vite, venez, par cœur, je sais pas, venez, vite. Moi, j'ai nuance, je pense. Les amis, on... Quand on roule, nous, et la voiture vient en contre-sens pour nous rouler dessus, et après on dit c'est moi qui lui rentre dedans, et après je me prends des tirs, et après on dit que c'est à cause de moi, non mais c'est bon là. Non mais bon. Ah ouais quoi, c'est n'importe quoi hein, cette gendarmerie hein, pour nous tuer. Et sinon, attendez, non, juste, quand vous entendez Nico qui met gyrophare, 50 voitures de flics qui vous suivent et qui mettent monsieur, des gyrophares. Monsieur, les gyrophares, ce sont pas des sommations. Non, non, moi je parle pas de sommation là, je parle de d'un. Tout à l'heure, tu viens de dire les gyrophares, c'est des sommations. Oh, les un plan. Ouais, je suis con, ok, allez, un outrage de plus, ça va te faire plaisir. Quoi, tout là, je vais tout prendre. T'as dit, c'est nous casser les couilles, je casse les couilles, regarde bien. Quand des voitures te suivent, un hélico qui avec des gyrophares, mais monsieur Léo, vous êtes bien d'accord, votre agent, il sait même pas ce que c'est une sommation. Oh, mais. Azir, des gyrophares, c'est une sommation. Monsieur, vous savez très bien où je vais en venir, monsieur. Ouais, j'ai tout bien vu, mais vous savez, quand vous avez même pas eu le temps de finir, laisser parler, que vous allez directement couper en disant, ah, c'est pas des sommations. Non, c'est pas des sommations, c'est mon gars. J'ai quand même dit, vos sommations n'auraient jamais dû sortir de votre bouche, bon, bref, ça c'est. O'Neill, suivant les faits que vous nous aviez dit là, c'est ce qu'ils ont fait les deux, c'est ça? Oui. Ouais, c'est exactement tous les deux. Vous pouvez m'envoyer le total là, parce que j'ai pas la feuille. Ouais, je l'ai, je vous fais. Oui, donc continuez, allez-y. Quoi? Tu es en train de dire quoi? Non, rien. C'est bon, j'ai terminé. Ah, donc, recruteur. Monsieur, oui, recruteur, Brian. Vous avez vu comment je suis arrivé en GMC? Bien joué, bien joué. Heureusement que je vous ai prévenu, hein, parce qu'on avait besoin de votre aide. Le délit de fuite, là. Ah, j'ai oublié le bord d'homme légal. Nos collègues, alors qu'on vous avait demandé de vous arrêter, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, on va ramasser les savonnettes. Il a aussi donc. Oui, monsieur. Non, il a pas tout posé, vous-même vous allez faire votre sac. Allonge-toi. Moi? Ah, si. Oui, bah, mais fouillez-le, monsieur, pour voir. Vous pouvez fouiller, hein. Où est votre bien. Collègue je sais pas c'est quoi son nom encore. Oui, on va dehors. Non, monsieur, il y a. On a des flingues, mais c'est pour notre protection. Et bien sûr. On a pas tiré sur vous. Oui, monsieur. Si, ils ont tiré, hein. Ils m'ont tiré dessus. Ah putain, t'es sérieux? Mes collègues vont pas me mentir, je pense, sur ce fait. Moi, c'est le menteur. D'accord. Bah, on vous attire. Vous êtes où, O'Neill? Je suis dans une prison, là. Je suis en train de attendez, j'ai récupéré le pistolet. Ouais, il va aller faire un petit séjour, de toute façon, je pense. Ouais, ouais. Assermenté, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est bon, j'ai le total, ouais, les gars, vous allez faire du fric. Ah. Une voix gendarme, qui veut dire la vérité. Ouais, en étant gendarme, t'as une voix assermentée. Ouais, de toute façon, il va aller faire un petit tour. Côté moi, de la prison. On a jamais tiré avant que vous tirez, monsieur. Ouais, mais c'est quand même tiré, monsieur, ça ne me fait. On connaît le total, s'il vous plaît. D'accord. Ça arrive, ça arrive. Okay. C'est une simple question. Oui, j'admets, mais bon. Oui, j'admets, mais c'est un petit peu mal tourné quand même. Hein. Vous tirez, après on tire, et c'est nous qui sommes en. Oui, c'est toujours mal tourné. La gendarmerie, elle est là pour tuer monsieur, l'incivil. Monsieur, je ne vous parle pas, monsieur. Non, mais attendez, vous êtes qui en fait pour dire à qui je dois parler oui. Parce que non, si vous voulez, moi je vais vous faire taire. Moi je vais vous faire taire, donc calmez-vous. Mais monsieur, je ne vous parle pas, je suis en train de parler à votre collègue. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous ramenez comme ça. Parce que je suis le supérieur ici, donc vous allez faire votre bouche de suite si vous voulez pas faire. Mais il y a une personne à qui vous parler, c'est à moi. Ben ouais, mais c'est pas mon problème. J'ai pas envie de vous parler, monsieur, donc je parle à votre collègue.
Mais alors, moi je suis là, maintenant si vous voulez pas. Bah maintenant je te parle pas, voilà. Non, maintenant je te parle. T'as quel âge en fait? T'as 10 ans, non? C'est ça? T'as l'air grand comme ça, mais. Bah ouais, j'ai 10 ans. Oui, sur la mienne, tu peux rajouter un port de licence. Enfin, il a pas la licence pour l'arme. Attendez, je vais faire un truc. Ah, donc je vais vous démenoter. Il est question d'arme, on l'enlève. Vous posez l'arme gentiment par terre et tout se passera bien. Colonel, moi et recrue Yandarl et recrue Danny O'Brien. Attendez, jusqu'à 40. Venez, recrue Darl, venez dehors, je vous dors. Ah voilà, mais arrêtez de parler dans ce commissariat, c'est pas possible. Si vous avez rien à foutre, vous sortez dehors, vous prenez l'air, je sais pas quoi. Mais arrêtez de parler pour rien. Non, mais c'est en train de me rendre fou, là, on est 18 dedans pour que dalle. Bon, bref, donc. C'est le 5, c'est Parker et c'est une, c'est vous, par Kent. Putain, vous êtes fort en calcul. Attendez là, ce que vous avez là, c'est une arme rebelle, ça. Hmm. Comment? Un Beretta M9 Camo, c'est une arme rebelle. Affirmatif. Vous pouvez rajouter ça? Hop là, je rajoute. Attends, pour cellule 1, 2, 3. Oui, vous rajoutez ça à la place de la licence que je lui ai mis parce que finalement il en avait pas besoin pour ça, enfin, vu que c'est l'arme qui est légale. Leur collègue en hélico, on les a vu repartir ou pas? Vos collègues là en hélico là, c'était qui ça? Non, la deuxième personne là qui est avec vous là, la deuxième personne interpellée, questionnez-le sur l'hélicoptère. Je sais pas, elle parle plus l'autre. Ah, c'est ça, en fait c'est vous ça, je me suis trompé d'ailleurs Kent, c'est bon, c'est ça, c'est 220 000. On était en voiture. En fait, j'avais, okay. Avant j'avais mis pour d'amis les gars. On connaît pas les gars. C'est bon, c'est ça. Monsieur Yuri Barasaki, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais que je dise, monsieur? Votre contravention. Et attendez. Et je vais vous mettre votre contravention et on va aller. Non, je sais pas qui c'est, monsieur, j'ai pas de nom. On est à l'extérieur du commissariat, d'accord? Vous dites que ce sont mes collègues, monsieur? Parce que votre pote nous a dit que c'était vos collègues. Oui, donc. Moi, j'ai pas dit que c'était mes collègues. Ouais, mais votre pote nous a dit donc. Attendez. L'autre personne a payé sa contravention, tout est réglé ou pas? Pas encore, enfin, je crois, je sais pas. Attendez, parce que là on a pas. C'était mis? Ah, okay. Parce que demander à celle-là. Non, c'était mis. Ok, d'accord, bah on y va là. Pour la prison, on fait escorte ou. Bah oui. Oui, on y va, on y arrive. Dans l'hélico du GIGN. Bah, on aurait pu faire genre faire une escorte en voiture. Enfin, genre stylé. On est en prenne le Brinks et. On voudrait mieux qu'on garde l'hélico. Ok, d'accord. Rentrez un hélico, je sors le Brinks là et on va y aller. Oh, j'arrive pas à rentrer. Il y a un hélico au cas où il y a les autres qui reviennent. Je répète. L'hélico qui est devant le garage, il faut le bouger. Mais je peux rester avec l'hélico, tu vois. Merci. Je le range l'hélico. Attends, on va faire. Range-le deux secondes. Bah sinon, je garde mon hélicoptère là sur le toit. Je vous suis de dessus. Oui, vous gardez l'hélico. Attendez, je vais le sortir. J'arrive pas à ranger. Il est peut-être trop loin, colonel Oniman. Hein. C'est bon, il est rangé là? Non, mais en fait, j'arrive pas à voir le bouton là. Ah, mais what the fuck? Est-ce que toi, je peux faire quelque chose au moins? Mettez-le en fourrière au pire. Hein. Ouais, mettez-le en fourrière, l'hélico là, j'arrive à rien faire avec le panneau là. Ah, c'est bon. C'est bon. Putain. Oh, mais il va rouler à deux à l'heure avec ça. Oh, vous allez y être dans 10 ans, les gars. Pas grave. Ils prennent le sprinter. Mais bon, il est pas blindé. Là, on va sortir de véhicule, un devant et un derrière. Et je sais pas qu'est-ce qu'on va sortir, peut-être des hunters. C'est quelqu'un qui conduit là le véhicule là. Je veux quelqu'un qui conduise, moi je monte un passager et on met les deux bonhommes dedans là, avec un gendarme. Ouais, on va prendre en fait des véhicules normaux, genre moi on sait que c'est la gendarmerie. Mais non, mais avant qu'on prenne d'autres véhicules, il faut déjà une personne qui soit à l'arrière avec les deux prisonniers, une personne qui soit à côté du conducteur. Donc il faut trois gendarmes. Moi je serai le passager, là il me faut quelqu'un qui soit derrière et quelqu'un qui soit le conducteur. Ah oui, pour me mettre à l'arrière, ouais, faut qu'il y ait quelqu'un dedans. Voilà, donc le conducteur c'est qui là, O'Neill? Quoi, tu veux que je conduise? Mais pas la recrue conducteur. Hein. Tu veux que je conduise le camion?
Il y en a qui ont des échos au-dessus. Hein. Conduis le camion là, c'est qui le conduit? Bah, je veux bien, c'est affirmatif. Ok, très bien. Bah, oubliez pas. Non, mais vous êtes trois dans l'hélico en fait, il y en a qu'un. Avec le pilote en fait. Vas-y. C'est ce que vous voulez. Non, mais c'est ordre, hein. Moi je dis ça pour vous. Hein. Recrue. Faut encore. Recrue, que... Non, recrue, descendez, bah, mettez-les dans. Si, justement, faut qu'elle reste là-dedans, sinon il va être à l'arrière. Enfin, devant, je veux dire. Ah oui, c'est vrai, j'ai compris. Ceux qui sont devant le panneau là, venez juste. Recrue, montez dans le camion et y'a quelqu'un qui monte les. Qui embarque les deux bonhommes là. On va embarquer les, sinon pour moi ils seront derrière. Voilà, nice. Voilà, et les deux autres maintenant là qui sont. Vous là, là, là. Là, voilà, il faut un autre véhicule, d'accord. Ah putain, je vois rien. Ouais, mais donc c'est. Le Brink, s'il monte à chaque. À combien? Ah, du coup, c'est cool. Le camion, mais pas très vite. Non, c'est il prenait juste un véhicule, sens, non prenez juste un véhicule, non. Mais non, mais c'est quand même, mec, attends, je sais pas, nous... Allez, on y va. On est comme ça, on se prend des tirs, et après, c'est nous qui nous prenons des amendes. Les messieurs, là, dans le Brink, vous m'entendez? Nous, on roule, on se prend des tirs, mais deux, là, sans lui, rien du tout, comme ça, tu vois. Sans aucune raison, on nous prévient même pas. T'entends? Nous avons. Je te parle. Nous avons tiré sur. Bah, ça pas de frein. Putain. Et c'est n'importe quoi, mec. C'est n'importe quoi. Et on nous a jamais prévenu qu'on avait fait un truc pour tirer. C'est clair, du Brinks. Ah, c'est bon. N'importe quoi. Quoi. Et après, il nous tire dessus. Et après, il s'étonne que nous aussi on tire. Ouais. Putain. Bah, c'est la gendarmerie. Bon, par contre, moi, voilà, ils ont voulu prendre tout leur temps, par contre, moi, je vais devoir aller manger, hein, donc... mon petit gars, là, je vais expliquer la vie, ok? Déjà, eux, ils ont voulu prendre leur temps. Non, on respecte les règles. Depuis tout à l'heure, là, tu me saoules à te plaindre des choses qui vont pas être plaintes ici, donc maintenant, tu vas te taire. Si tu dois déconnecter, il n'y a pas de problème, on s'en occupe, et c'est fini, ok? D'accord? Non, mais c'est pas ça du tout, mais c'est non, juste non, que... Mais moi, j'en ai marre, mec. Soit t'es réglo, soit on est réglo avec toi là, on fait le truc, maintenant stop, t'as arrêté de nous plaindre, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ouais, on sait que c'est comme ça. Ah, c'est bien comme ça les gars, c'est stylé. Je vais mettre de la musique, putain. Quelqu'un peut mettre de la musique? Ah, désolé, y a pas de musique dans le temps. Bien sûr, monsieur, on a des communications. Y'a quelqu'un qui a fait un barrage ici? Ouais, bien sûr. Gars, Olivier, il y avait un barrage ici, fait par nous, il y a quelques temps? Ouais, c'est coupé, ils ont pas enlevé comme ça. On va pouvoir discuter avec eux. Et d'ailleurs, le conducteur de tout à l'heure, il a quelque chose. Ouais. Et comment on fait pour s'échapper tout de suite? C'est pas bon. Hein? Comment? La façon de sortir, c'est d'avoir. Ça peine. Ça les pieds en avant. Hey, les gars. C'est bien, c'est un tireur. Hein. Hello. Quand on arrive là-bas, vous les mettez chacun dans une cellule. Vous êtes trompé. Vous les envoyez en prison, vous les mettez chacun dans une cellule.
Monsieur, les cellules, elles ont des petits problèmes quand on veut aller aux toilettes. Vous leur expliquez quand ils vont aux toilettes. On voit qu'ils ont un problème quand ils vont aux toilettes. Enfin, si, autrement de leur... Oh, t'as entendu ça, gros. putain. Ah mon dieu. On s'occupe d'ouvrir la porte principale. MDR. Ok, c'est quoi plus? Sorti carrément. Tu peux enlever les coffres maintenant? Excusez-moi, j'ai un problème. Attends, on va juste aller dans les trucs sanitaires. Ah, attends, on va les faire déshabiller dans les trucs sanitaires. Tu peux m'enlever les manettes là, s'il te plaît? Non. Voilà, monsieur. D'accord. Pourquoi? Monsieur, je vais demander, vous allez tout poser tout à terre, vraiment tout, absolument tout. Tout de A à Z. Et on est en prison pendant combien de temps, monsieur? Bah, ça, vous verrez. Jack, pourquoi? On les déshabille parce que ils vont monsieur, de... mais la prison c'est voilà, la prison c'est pas bien. Posez tout à terre, monsieur, là, posez pas de questions. Oui, bon, ok, d'accord, je pose tout à terre, monsieur, je pose tout à terre. Gendarme, je suis bloqué. C'est bon, monsieur, j'ai tout posé à terre. Bon, bah, du coup, la prison c'est maintenant, hein, c'est ça? Oui, c'est maintenant. Bah, faites-le déshabiller et après vous l'emmenez dans la grande salle et le mettez en prison. Mettre sa tenue. George. Oui. Bah, c'est toujours la galère de ce bâtiment. Bah, c'est toujours la galère de ce bâtiment. Fait que j'ai un escort, colonel. Bah, mettez-le en prison pour 5 ans. Ok, bien pris. Ah ouais, mais il a pas la tenue, what the fuck? Monsieur. Bon, allez, là, Darl, faudra que... C'est bon, les hélicos oxygène, vous pouvez leur tirer dessus. Allez-y. Ok, on suit. Hélicos oxygène, pas de problème. Crop poker, mec, crop poker. Vous en bas, Odile, avant de tirer. Non. Allez-y, moi je suis prêt, hein. Je suis paré, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Oh non, focus 1 alors, il va peut-être. Oh, comme j'ai stoppé, y'a rien compris, oh. Y'en a qui s'est arrêté. Y'en a. T'aurais dû lui foncer dedans, mec. Si on l'aurait écrasé. Non, arrête. Y'en a qui redémarre, oh là, tire à deux. C'est nice ça, les gars. Allez, Siko, avance. Je recharge.
Non, j'ai un vieux retour window. Y'a un hybride là, Oh, s'il y en a un qui sort, on prend de la distance, Franck, comme ça il nous tire pas dessus. Mec, j'ai un retour window, ça t'inquiète pas, j'ai un retour window, inquiète pas, je reviens. Ouais, sinon, non, je suis de retour là. Derrière, non, y'a un hybride, derrière, une hybride. Derrière. On s'arrête. On s'arrête, sortez. Y'en a qui est sorti, go. Ok. C'est bon. Y'en a qui, une roue qui est pétée, deux roues. Ok, y'en a un, on lui a crevé les pneus. Ouais, c'est celui où on a focus. Y'en a un, il va au principal à côté du karting là. Montez, on va y taser, colonel. Alors, oui, vous venez ou pas, colonel? Non, j'ai pas. Ok, bien pris. Avant, général, on peut aller choper au taser. Ils sont sortis! Ah, à l'avant, ils sont trois! Foncez leur dedans! Oh, vente, fais gaffe, y'en a qu'un! J'en ai battu un! Down! Ok, ils sont down! Allez, stabilisez-les! Vite là, y'en a un qui revient vers vous! Y'en a un deuxième qui revient vers vous! Oh, j'ai plus de balles! Il est 0, 0, 0! Crevé, je crois! Ouvrez les. Oui, il en reste un, on sait pas où il est! Ça vise! Oh là là! Attention! 3 à terre sur les frites! Stabilisez-les! L'autre il faut qu'il est où? On appuie! À l'entrée de la rampe, on est à l'hélico. Ok, il arrive vers nous, les frites, préparez-vous. Là il part, direction station essence. Ok, Franck, allez le recharger. Et revenez ici. Allez-y, stabilisez-les tous là. Ces gros enfoirés. C'est bon, c'est fait. Il était debout là, il est stabilisé. Ah, c'est ok, ils sont tous stabilisés. Restez tous autour, que tout le monde reste autour. On va aller recharger le tout terrain ramé et on va aller abattre aussi l'autre. C'est tous autour, il a pas sur essence. Oui, mais non, attendez, tirez-les, tout le monde les tire. Colonel, il y en a encore un. Il est où l'autre? Il est là, dans le sang. Vous l'avez stabilisé? Non, je stoppe. Ah, mais les pompiers, nice. Ils sont là. Mais tous. Allez, tire-les vers moi. Tire-les. On a besoin de soutien là, les courants, j'ai des frites encore. On arrive. On arrive. La radio. C'est stabilisé, allez, go. On est stabilisé. Ils sont tous stabilisés. Vous restez tous avec eux, ok? Je que vous les... Restez avec eux. Ah, c'est bon, moi je me rends, c'est bon, vas-y. Restez tous avec eux. On a crevé les pneus. Vous avez crevé les pneus? Restez à couvert, on arrive, j'arrive. Il y en a qui est sorti. Je prends l'hunter, je vous en prête l'hunter, je suis désolé. Vous avez écouté, vous inquiétez pas. Ok, prenez le refrit et restez avec eux, ok? Vous allez avec le pompier, d'accord? Vous montez avec eux jusqu'à l'hôpital et vous les menottez. On va tous les choper là. Il bouge encore, il rampe là. Ok, j'arrive vers vous pour vous aider, j'arrive. Attendez, mettez dans l'hélicoptère avec le pompier. L'autre, vous les avez tous sur l'hélico de pompier, allez, il y en a un qui est couché. Ah, d'accord. Ok, j'arrive, je vais lui foncer dedans, lui. J'arrive. Mais t'es où? Je suis un hunter, j'ai le 4 tireur à mon hélico, à mon truc là. Oui, j'entends. Bah, alors, Franck, tu restes avec eux pour l'instant, ils ont un livrite. Reste avec les autres. Voilà, c'est bon. Il se relève quand là? Oh Léo, faites attention à ce que vous faites là, vous venez d'écraser un médecin. C'est quoi? Vous venez d'écraser un médecin, faites attention à ce que vous faites. Oui. Ah bon? Bah oui, il est au sol là. Parce qu'il y a toujours rien à côté là. Ils étaient trois, les trois ils sont morts bizarres.
Venez, y'a Georges Kane qui est à terre aussi. Oh là là. J'ai aucun, moi, j'ai pas de quoi stabiliser. J'en ai vite. 1, 2, 3, 4, ils sont 4. Ils sont tous rassemblés. Oh, un gendarme là qui monte dans l'hélico. Stabilisez Georges Kane en priorité. C'est un gendarme. Mais j'ai au pire un peu un autre côté là, mon général. Si vous voulez, attendez. Ça met du temps là. Ah bah oui, monsieur, c'est... Parce que ça nous fait une bonne... On en a chopé, hein. Ouais, zinc. Un collègue, tu peux me choper. Alors, toi, comment ça tu montes? Monsieur le pompier, l'écho, venez. Monsieur le pompier, l'écho, venez. Maintenant, tout de suite. Collègue, viens. Pendant le trajet. Recrue, appelez les pompiers là qui viennent. Viens, collègue. Ils ont besoin de toi pour le permis. Major, j'en ai mis un dans l'hélicoptère. Le chat. Ok, c'est bon, tous les rebelles. Non, c'est bon, c'est bon, il y a tous les gens. Je les accompagne. C'est bon, ils sont tous habillés. Voilà. Merci. Quelqu'un prend l'hunter, je prends. Parle-moi cette ifrite là. Que tout le monde répare les deux ifrites là. Putain, c'est quoi ce truc là? On est devant l'hélicoptère. Vous, monsieur, je vous accompagne, attendez. Non, attendez, c'est bon, je vais les accompagner, recrue. Allez dans les frites. Ah, vous les... D'accord, pas de soucis. Sinon, je peux emmener le colonel George Kent à l'hôpital. Oh, ramenez-le, vous. Allez-y, ramenez-le. Il est où, l'autre? Ramenez-le, recrue. Attendez, laissez-le. Prenez-le. Allez, montez dans l'hélicoptère. Il est là, il est là. J'embarque maintenant avec moi. Recrue, après vous avez le frites, hein. Ok, attendez. On va appeler les pompiers, ils vont s'occuper de ça. Mettez-les tous en colonne là. Attendez, venez regarder. Dès que je pourrais, je ferai peut-être... Les ifrites. Je vous laisse un travail. On a un ifrite là qui est stabilisé, après il est réparé, et là je monte avec les pompiers pour... Pas pour moi, c'est n'importe quoi. Ok, on se retrouve, attendez. Bah parce que... Parce qu'en fait, à la base, l'action ça devait pas. Attendez, ouais, je mets en fourrure ça. Montez avec moi dans les frites, faut les faire exploser. Les non, putain, merde, restez sur zone. Vous attendez que les pompiers d'accord. Et vous montez avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres pompiers? Il y en a que deux, et ils sont tous les deux avec moi là. Ok, bah faut leur dire d'aller. Là, le côté hélico, il est plus galère. Au pire, bah c'est bon, dites-lui de ne pas y aller soigner les autres rebelles, on va le faire nous-mêmes. Je vais aller les chercher avec. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu. Débordés, donc bon, j'arrive, moi tu es payé, t'as préparé, on va le faire monter dans les frites. Ok, bien joué.
Oh mon bisou. J'ai mangé les deux là. 1, 2, 3, vive un peu. Mathieu, envoyez un message, Mathieu Edouard, envoyez un message aux pompiers, dites leur de ne pas intervenir sur, sur les autres. Là. Dans la con. Parce que. 1, 2, 3, vive un Arménie. Vive l'Arménie. Donc, on va les tous les soigner là. Sérieux par un. Non, moi faut me démenoter pour que je puisse piller en fait. Mais là, attends gentiment, vous inquiétez pas. vous voulez les écarter du panneau? Non, non, laissez-nous devant le panneau, on est bien. Si on met les deux côte à côte, ça éviterait d'acheter trop de panneau. Le panneau. On va faire ça avec aussi avec le piquet parmi. Par contre, la personne a dit qu'il y avait des panneaux. On peut faire ça aussi avec le piquet parmi. Vu que ça explose pas dès le premier coup, en fait, on va faire ça avec le piquet parmi en même temps. Abusé, je crois trop fort, je crois trop confirmé les gens parmi, c'est des merdes. Ah bon, on fera pas ça ici, non? Non, je pense qu'on va faire un jeu. Relâchez-moi une seconde. Ouais, que quelqu'un prenne les ifrites là. Les soins vont être effectués un par un. Donc maintenant, il y a trop de monde ici pour que tout le monde parle. Enfin, attends, silence. Bon, les pompiers sont pas encore posés. Oh, oh. Ah, il est taré lui! Leur fait regarder l'explosion. Ouais, ouais. Attendez, moi je vous montre. Attendez-moi, tout est armé. Ouais, deux secondes. Bon, dites-vous que si vous faites péter les ifrites, on sera pas. Il y aura pas assez de place entre les pick-up et deux hélicos. Hein. Dessus, il y a les pompiers qui se posent. Si, il y a l'hélico et les pompiers, ça. Ramenez-moi. Il faut qu'on fasse allez, faites péter les ifrites, ouais, faites péter les ifrites là. Vous avez des charges explosives ou pas? Ouais, ouais, j'en ai deux. Ok. T'en fais dans environ 10 minutes, hein. Attention. Attends, Cassio, je vais le mettre par là. Rapprochez-les là, rapprochez-les. Mettez-les côte à côte. Ouais, ouais, au moins ça va économiser des charges. Ah, le tout armé, ne tirez pas dessus, ça sert à rien. Ah, bah, si, mais ça explose. Ça explose pas dès le début, de toute façon, on est. Il y a deux chars, je crois. Vous avez personne avec vous. Allez-y, on allume. 3, 2, 1. Allez, vous êtes prêts, les gars. Magnifique. Alors ça,